Je vais peut-être aller Oh. Non, si, allez, on arrête de déconner. Je vais quand même aller me soigner à un moment donné, et après, on avance. Pero. Je vais leur sonner la tête maintenant, hein. Pero. Alors, tac. Merci, bonjour, dodo. Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Pero. Vous devez droguer Tifa avec un dangereux agent mutagène. Affinité plus 10. A bientôt. On va sauvegarder aussi. Pero. Coucou Iris. Franchement, j'hésite à... Si je peux, à faire le rendez-vous avec Tifa. Hein, parce que franchement, autant dans le premier jeu, j'ai clairement beaucoup plus d'affinité avec Iris. Autant dans le remake, là, je sais pas... Comme l'a dit Alain, il a raison, le jeu t'encourage quand même un peu plus à aller vers Tifa que vers Iris, mais voilà, même, je sais pas, ça marche avec moi, quoi. Qu'est-ce qui vous amène ici? On veut aller en haut. Yuffie nous a dit qu'il fallait voir ça avec toi. D'accord, je vais vous aider. À vrai dire, c'est une idée de Yuffie. D'après elle, le plus simple pour aller à Junon, c'est d'utiliser ce bateau là-bas. Regardez, il y a un poste de contrôle là-haut. Quelqu'un doit donc d'abord s'y rendre, si on veut abaisser le bateau. Les autres n'auront qu'à monter dedans, et l'utiliser comme un ascenseur. Le problème, c'est comment faire pour accéder au poste de contrôle. Pas encore, mais ça va pas tarder. Courant à haute tension. Oui, c'est protégé par un courant électrique pour repousser les intrus. On est coincé alors? C'est là qu'intervient mon dauphin. Croyez-moi, il est vraiment génial. Par exemple... Ah, je sais! Je vais vous raconter comment on est devenus amis, lui et moi. Alors en fait, un jour où je nageais dans la mer, tout à coup, j'ai entendu des petits couinements. Je suis désolé, mais on est pressé. Oh... Excuse-nous, Priscilla. On reviendra ici après avoir... Je suis désolé, mais je m'en fous. Et alors, c'est ça, à ce la traduction. On écoutera ton histoire. D'accord, tu me promets? Allez! Mais non, mais au micro, et internaute voulait savoir. Allez, raconte-nous hop, l'histoire. Hop, et comme ça. Ah, j'ai compris. Parfait. Et alors, on fait comment? Il faut sauter en utilisant la force du dauphin. Mais raconte-nous et l'histoire ça, pendant qu'on saute. On arrive tout en haut. Alors, lequel d'entre vous va faire le grand saut? Allez le mercenaire, on compte sur toi. À moi l'honneur. Dans ce cas, tu n'as qu'à me faire signe quand tu seras prêt. Alors, est-ce que ce sera aussi pénible que dans l'original? On peut pas revenir avant quelques temps, même pas peur. Mais moi, je vais aller voir Ruru. Pero. Mais je pense que Iris va revenir de la cité des anciens. On verra. Dites rien ceux qui savent, je veux pas le savoir. Je veux pas de sous-entendu, je veux rien. Mais moi je pense qu'elle va revenir. Alors, gauche, droite, dérapage, ok. Bon bah, pelo. C'est pour m'entraîner à la Costa del Sol, ça? Watcha! Pilo! Le
loupi loupi. Padabadam, pam 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 padam. Eh ben, c'était sympa, ma foi. Allez. Bonjour, bonjour. Et en quoi ce bateau va nous permettre d'entrer dans Junon ? Bien, montez tous dans cette barque. Mon dauphin va se charger de vous tirer jusqu'au bateau. Il est pas suisse ton dauphin, non ? Que ce truc ne va pas couler. Pélo pélo. En français. Oui, je suis d'accord, internaute. Merci pour tout, Priscilla. Pas de rien, hein. Merci à vous. Allez, en route. Allez, on s'appelle, on se fait une bouffe. Et revenez nous voir. Pélo, pélo. À la prochaine. Ah oui, d'accord, je comprends, ok. D'accord, c'était ça le plan. D'accord, 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 d'accord. On se retrouve en... Ouais. Stylé, stylé. Bon, bah... On va visiter Junon. Allons là-haut. Bonne nuit, Fri. Bah, moi encore ça va, j'ai une tenue de la Shinra, mais eux vous trouvez pas qu'ils sont un peu suspects ? C'est parti. Non ? Je suis gonflé à bloc.
Non, moi d'accord, ok. Très bien. Je vais le redire, mais ça fait quand même plaisir quand le paysage n'est pas un JPEG. Il n'y a pas autant de gardes qu'on le croyait. Peut-être qu'il répète la parade ? C'est dit pour le sens des priorités à ce que je vois. Ce qui est sûr, c'est que ça joue en notre faveur. En revanche, c'est immense. On va avoir du mal à trouver les manteaux noirs. Il n'y en a pas ici, en tout cas. Allons voir en ville. Alors, let's go. Wow. C'est quoi ce vaisseau ? Le High Wind. Le fleuron de l'aéronautique de la Shinra. Un des vaisseaux les plus rapides qui soit. Oublions le bateau. On va plutôt prendre ça. Il n'y a que très peu de pilotes qui sont capables de manipuler un tel engin. Et il faut aussi un équipage. Dommage. Ça aurait été parfait. Allons en ville chercher un bateau. Et on peut pas aller tuer tous ces membres de la Shinra, non ? Bonjour ? Bon, d'accord. Alors allons en ville. Il est classe, hein, le High-Wing. Oh là là. Tellement stylé. Oh. Tellement, tellement stylé. Mais le canon de Junon aussi. Oh. Tellement stylé. Enfin, nos têtes sont mises à prix, il n'y en a pas un qui reconnaît Aerys quand même. C'est... Pourquoi pas, écoutez. Non. Ne faites rien. Laissez-les libres d'agir. Entrez. Président, un émissaire du gouverneur Saruf du Wutai est là, et il demande à vous parler. Son nom ? Le colonel Glenn Lodbrok, d'après ce qu'il dit. Très bien. Tu étais donc encore en vie ? Officiellement, je suis mort. Je vais aller droit au but, Président Rufus. Notre gouverneur et ton père avaient mis au point un plan ensemble. Pouvons-nous compter sur toi pour le suivre ? C'est mon intention. Comment ça, un plan ensemble ? C'est sur la question des méga-matéria que notre future opposition doit se concentrer. La Shinra et le Wutai doivent multiplier les escarmouches un peu partout, si nous voulons maintenir la tension actuelle. Ça devrait marcher quelque temps. Mais lorsque mon père a disparu, la situation a changé. Un nouveau plan est nécessaire. Comme d'habitude, tu te comportes en enfant gâté, à ce que je vois. Ne me dis pas que tu crois encore à cette histoire de terre promise. Que ce soit ton père ou toi, extraire la Mako est la seule chose qui vous intéresse. Si vous n'en restituez pas un peu, la planète tiendra pas longtemps.
Une guerre provoque chez les gens la colère, la tristesse, la haine. Et de par ces émotions, ils deviennent plus unis. Le monde est alors dynamisé. Et cette activité revigore la planète. Il en va de son avenir. Affrontons-nous jusqu'au bord de la destruction. Cependant... C'est la Shinra qui a commencé. Tu n'es plus un enfant maintenant. Tu ne peux pas arrêter sur un caprice. Œuvrons ensemble pour la justice. Attends, what? C'est ça l'origine de la guerre du Wutai? J'ai failli oublier. Juste pour tuer des gens pour revigorer un peu la rivière de la vie? Sans déconner. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Longue prospérité à la Shinra. Mais non. Mais depuis quand il y a un complot qui est organisé par le chef du Wutai et le président Shinra? What? Mais il n'y avait pas ça dans l'original, en tout cas ça me dit rien s'il y avait ça. Vérifiez attentivement les étiquettes. Toute erreur entraînera une retenue sur votre salaire. C'est le Glenn de Chendikos. Mais il n'y avait pas ça dans l'original, mais... Bien avoir ce... Bon. Je peux vous aider? La ville se trouve en bas. Pour y aller, prenez la... Ok, d'accord. Mais par là, il y a quoi? Mieux vaut pas s'approcher. Ok, très bien. En tout cas, c'est très très sympa. Très très sympa comme zone. C'était la première... Recule! Recule! Doucement! Je me demande quelle portée... Avalanche se dissimule peut-être parmi cette foule. Au fait, Cloud, tu connais bien Juno? C'est une cité militaire dotée d'un réacteur sous-marin. En cas de besoin, elle peut littéralement se transformer en forteresse capable de repousser les attaques navales. C'est aussi un centre de transit aérien et maritime qui en fait pour la Shinra la cité la plus importante. Non mais ça tu vois, à quoi d'autre, je veux pas le savoir. Tu oublies le... Tu oublies les trois quarts des choses que tu connais de la... Je veux pas le savoir, tais-toi, ne me dis pas des trucs comme ça. Je veux pas le savoir. Laisse-moi découvrir. Histoire que ce soit clair, t'as pas l'intention de faire du tourisme? Bien sûr que non. Regardez là-bas. Sur ce, vous avez quartier libre jusqu'à la parade. Cela dit, vous feriez bien de répéter vos formations. Oui, chef. Enfin, je veux pas dire, mais on passe pas inaperçu comme avec cette tenue, franchement. Pas clé. Les gens tout à l'heure, ils se préparaient pour la parade? Sûrement, oui. Pour impressionner le nouveau patron. J'osais pas en parler pour pas vous embêter, mais c'est plus fort que moi. De quoi? Rufus va sûrement passer tout près de nous. Ce serait bien dommage de pas en profiter, non? Hein? Je dis pas qu'on va l'assassiner, mais on pourrait lui dire ses quatre vérités et lui mettre un bon gros bourre-pif au passage. Moi, je suis en partie d'accord. Les Turcs, ils nous ont bien promis qu'ils allaient arrêter de nous poursuivre. Mais l'homme en moto a parlé de s'occuper de nous, je crois. J'aimerais que ce soit précis, moi. Oui, t'as raison. Mais bon, ça doit pas être facile de rencontrer le président.
Il y aurait bien un moyen. On prend d'assaut la parade. Non. Les participants seront en grande partie des gardes. Ils seront beaucoup trop nombreux pour qu'on les affronte tous. Il n'y a qu'en faisant partie de la parade qu'on pourra approcher Rufus. Comme ça, on devrait pouvoir lui parler sans créer d'agitation. Sérieusement ? Bien sûr. Mais oui, bonne idée. Ouais, pas mal. Red et Barrett, il faut vérifier l'accès au port ainsi que l'état de la sécurité. Et à cette occasion, voyez s'il y a des manteaux noirs. Pourquoi nous ? Il va falloir porter des uniformes de la Shinra. Rien de plus adéquat. Oh, la ferme. Je vais me préparer. Avant tout, je dois me trouver un uniforme. Bon, bah là, on va avoir la musique de et cérémonie nous, dans la tête. Tu hein. Nous aussi, on y va. Ça doit être par là. À tous les gardes qui ne se sont pas encore changés, nous avons des uniformes prêts pour vous dans cette salle. Veuillez vous mettre en tenue au plus vite. On y va. Reste-t-il des gardes qui ne se sont pas encore changés? Ah, les voilà. Oh, pas mal vu de près. Bon, changeons-nous. Ouais. Halte! S'il te plaît, on recule de trois pas. Et genre vraiment? Pour un uniforme de garde. oui. Il doit bien en avoir qu'elle traîne. Ça faisait longtemps. Bon, après, en vrai, leurs uniformes sont pas dégueux quand même. Hein. C'est convaincant. Par contre, franchement, il faut qu'ils arrêtent avec cet armier qu'ils leur donnent à chaque fois. Enfin, Tifa, elle est quand même censée haïr la Shinra, donc elle devrait pas être toute contente comme Aerys. Autant Aerys, elle est un peu innocente, tout ça. Mais Tifa, elle devrait pas être aussi contente de porter un uniforme de la Shinra. Franchement. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Allez. Vous trois, je ne crois pas vous avoir vu à l'entraînement. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous êtes en retard. Mes excuses, chef. Mes excuses, chef. Bande d'imbéciles. Comprenez-vous seulement à quel point la parade d'aujourd'hui est importante pour nous? Dépêchez-vous d'entrer. On va voir si vous impressionnez la commandante. Et appliquez-vous bien. Si jamais vous faites la moindre erreur, on vous donne en pâture un bébé émote. Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens encore assez bien des mouvements. Faites pareil que moi. C'est facile à dire. Arrêtez de bavarder. Émaignez-vous un peu le train. Oui. Allez, attention. On peut dire que vous avez du toupet d'avoir manqué l'entraînement. J'imagine que vous vous croyez être fin prêt pour la parade. Très bien. Vous allez m'en faire la démonstration sur le champ.
si vous commettez la moindre erreur, je veillerai à ce qu'on vous jette dans la gueule d'un morbol. Excusez-moi, on nous avait promis le behemoth. Non ? Bon. Alors, losange rouge, appuyez une fois sur la touche. Pentagone jaune, appuyez plusieurs fois sur la touche. Hexagone bleu, maintenir la touche. Ouais, putain. Donc, quand c'est rouge, on appuie une fois. Quand c'est jaune, plusieurs fois. Et quand c'est bleu, on maintient. Vous êtes prêts, non? Dans ce cas, commencez! J'aime beaucoup cette réinterprétation de la musique. Impressionnant. Ah, parfait. Perfect, s'il te plaît, respecte-moi. Par contre, Aerys et Tifa, chapeau, hein, parce que... Pour un truc qu'elles ont jamais fait, réussir à être parfaitement synchrone avec Cloud, bravo. Hein. Bien, encore une fois. Pourquoi encore Vous une fois prêt, non, mais je voulais pas recommencer. Commencez. Bah c'est pas grave, c'est l'occasion de reprofiter de la musique. Oui, Aerys, c'est vrai, tu as raison au micro. En tant que cyborg, c'est épique, mais Tifa. Non, c'est bon, je vais pas recommencer. Même si j'aime bien cette réinterprétation de la musique. Cet équilibre parfait. Salut Storm, comment vas-tu? Dis-moi, où étais-tu caché tout ce temps? Je te promeux dès maintenant au grade de capitaine de la 7ème d'infanterie de Midgar. Il doit être content, le capitaine actuel. Nous te confions un rôle très important. Tu seras en tête du défilé et donneras l'exemple aux autres. L'obtention du prix présidentiel reposera entièrement sur tes épaules. Tu n'auras donc pas le droit à l'erreur. Oui. Avant le début de la parade, rendez-vous à Junon Sud et regroupez les gardes de notre compagnie. Bien qu'ils soient en permission, ils se déplacent sûrement groupés. Pour bien faire, il vous faut réunir au moins 5 unités. Ici, sur la manche de leur uniforme, ils ont tous l'écusson de la 7ème d'infanterie. Lorsque ce sera fait, conduisez-les au site de la parade à Junon Nord. Je ne tolérerai pas le moindre retard cette fois. C'est bien compris ? Et maintenant au travail.
Oui, madame. Oui. En tant que capitaine de la parade, il revient à Claude de réunir les unités de la 16e compagnie d'infanterie de Midgar. Celle-ci profite actuellement d'une courte permission pour aller visiter la ville. Notez que les informations que vous pourrez exécuter lors de la parade dépendent du type d'unité que vous allez rassembler. Lorsque vous en aurez trouvé au moins 5, vous pouvez changer de formation avec L2 comme bon vous semble. Ok. On s'en est pas trop mal sorti. Dis, on pourra vraiment s'approcher de Rufus en étant dans la parade. C'est pas le plan. On vise le prix spécial. Normalement, c'est Rufus en personne qui devrait le remettre. Wow. C'est osé, fallait y penser. Audacieux et très ingénieux. Allez, go! Chercher des unités. Wow. Alors on doit réunir des gardes qui sont en ville? Ouais. Ceux de la 7e d'infanterie de Midgar. Tous ceux qui portent ce brassard, c'est ça? Au boulot. Allez au boulot. Alors, magasin, c'est ça qui m'intéresse, le reste on verra après. Magasin! Je veux des armes. La citadelle de Juno. Ah bah tiens. Pas. Bonjour. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Corruchi, t'es venu acheter une maquette du casque. Respecte-moi, t'as vu mon casque? Ici, regarde son casque. Ah, merci. Oh, capitaine, je vous demande pas. Non mais. La pause est terminée. Je veux tout le monde dehors. À vos ordres, chef. Ah ouais, jolie la maquette. Jolie, jolie. Da, 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 da. On en profite, hein, on visite le musée, on... pour célébrer la prise de fonction du président. Alors, qu'est-ce que tu vends? Vous voulez acheter une nouvelle arme? Bah ça dépend, bah non, visiblement je veux pas, vu que t'en as pas. Bracelet de barbare, je m'en fiche, bah non, mais c'est quoi ces magasins bonne tout pourris pour la parade, capitaine. J'espère que ça. Vous gagnerez. Oui, bah ça, il y a intérêt. Alors déjà, visitons un peu. Très joli, Juno, hein. Franchement. Arrête, t'aimerais sûrement le canon, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'ils vendent? Oh! Des pâtisseries! Oh, j'en veux! Oh, c'est fermé. C'est quoi la statue là? Oh, quoi, quoi? Oh! C'est plutôt louche. Et on peut y aller? C'est une chimère la statue? On peut y aller? Oh mon dieu! La confrérie des crânes rasés! Père, où es-tu? Ils sont tous chauves! C'est votre première fois? Bienvenue dans la confrérie de Robert et Ducana de la Moustache. Pour voir avec nous, vous devez commencer par enlever vos casques. C'est la règle qu'on suit tous ici. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez un peu. Me dites pas que... Non, c'est jamais vu. Vous laissez pousser les cheveux. Attendez! Vous vous adressez à notre capitaine. Capitaine, vous êtes ici dans un bar un peu particulier. On ne peut pas y garder son casque. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui, à vos ordres, chef. J'adore. Oh mon dieu. J'adore. Si vous voulez être des nôtres, vous devez le prouver en enlevant vos casques.
On dirait la chanson d'un truc de Disney. Oh, la référence. C'est clairement une référence aux anciens Final Fantasy, à FF6, ça. C'est totalement une référence à FF6, ça. Voilà, Orthos, merci, j'avais plus le nom. Capitaine, merci d'avance pour le pot de célébration. Merci d'avance, chef. C'est une des unités qui vont défiler. J'aime bien. Mes élèves devraient me parler comme ça aussi. Je devrais travailler ça avec mes élèves. Qu'est-ce que vous vendez ? Recherchez-vous aujourd'hui ? Bah, ça dépend ce que tu vends, en fait. Ouais. Ah ouais, j'en ai des queues de phénix, la vache. Non. Ça coûte cher. Voilà. Au plaisir de vous revoir. Nous ne proposons que des matériaux de la plus haute qualité. Est-ce que je veux des matériaux ? Non, je veux pas de matériaux. Nous attendons avec plaisir votre prochaine visite. Salut Max. Mais t'excuses pas, hein, t'inquiète pas, aucun problème, hein. Ne t'inquiète pas, vous avez le droit de pas être là tout le temps, enfin, vous avez une vie aussi, hein. Aucun problème. Bienvenue à toi, en tout cas. Elles sont vachement jolies, les matériaux. Alors, merci. Elles sont accueillantes, les petites, n'est-ce pas? Alors, augmente les PV de 200. Bah écoute, ouais. Le remplissage d'ajout de vengeance en cas de garde réussie. Les 3, les PM. Non, bah les PV, c'est bien. Merci, capitaine. Ah non, attends, il y en a 20 qui avaient 15. Dans ma boutique. Oui, je reviens, t'inquiète. Elles sont Barrette, t'étais à 15. Alors, confère l'effet cuirasse. Ah, pas mal ça. 5% le remplissage d'ajout de transcendance. Ouais. Barrette et Tifa unissent leurs forces. Alors, voyons voir. Ça coûte 10. Ça coûte 10 aussi. Bon, ben l'effet cuirasse alors. Petite. Ok. Merci, capitaine. J'espère vous revoir bientôt dans la boutique. Ça donne le côté glorieux. Dommage que j'ai raté ton live quand tu as affronté contre. Ah bah, après il y a les rediffs pour les abonnés. Sinon, ce sera sur YouTube. Max, t'inquiète pas. Hein. Non, je vais pas trop galérer. Waouh, t'es un capitaine ? Dis. Ouais. Paris que tu brûles d'envie de connaître les conseils de la semaine des Magnata Girls, pas vrai ? Ma recommandation non. Perso, c'est bien évidemment le tout dernier numéro du célèbre Roi des Pampas. C'est le dénouement de cette saga fleuve. Ouais, et non, mais je m'en fous. Il vaudrait mieux que tu découvres ça. Crois-moi, tu devrais vite l'acheter avant que quelqu'un ouais, te gâche ouais, j'y penserai. Ah bah de rien. Ce fut un plaisir, mesdames. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Est-ce que j'ai l'air d'être... Franchement, est-ce que j'ai l'air de faire partie du public ? Vous avez pas vu mon casque ? Le sourire. Hey ! Hey les gars, avec le smile, hein. Je serai réaffecté à l'uni. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voyez pas qu'on est en pleine discussion là ? Regarde son casque ! Oh, veuillez me pardonner mon manque de respect, capitaine. La pause est terminée. Je veux tout le monde dehors. Oui, chef ! Allez, go ! Oh ! Bonjour, madame. Oh, j'ai été un poids pour Brut dans la mine. Et en plus, je crois bien que Tseng s'en est rendu compte. Si, l'autre est en train de déprimer. Ce bar est un lieu de relaxation pour les employés. C'est stylé le bar, hein. On l'a vu, peut-être pas, ça aurait été peut-être plus sympa avec la vue au bord, sur la mer, mais... Coche, le
Très très stylé, franchement c'est joli hein. C'est très très joli Juno. Je lève la tête moi comme si... Bon. Capitaine, merci d'avance pour le pot de célébration. De rien. Alors, caserne, il doit y en avoir là, non? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment du tout, même. J'ai perdu mes gars, en fait. Salle de réunion. Aha! Dites-moi, comment vous sentez-vous juste avant cette... S'il vous plaît? Que voulez-vous? Nous sommes en pleine interview, là. Oh. Mes respects, capitaine! Hein? Ah! Vous êtes donc leur capitaine? Je vous prie de m'excuser. C'est une chance de vous avoir. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions à vous aussi. La compétition s'annonce très rude lors de la parade. Pourriez-vous nous dire... Bonjour la discrétion là quand même. Vous êtes sacrément malin, capitaine. Vous savez que si vous dévoilez notre stratégie secrète, elle sera plus secrète. La pause est terminée. La parade va bientôt commencer. Tuez-moi. Oui, chef. Pourquoi ils y vont à ce rythme? Qu'est-ce que... Bon. Allez, il m'en faut encore d'autres. Oh, on peut pas faire une partie de billard. J'adore le billard. Non? J'adore cette poussée d'un je t'ai vu, toi. Écoute, fais comme tu veux. Promis, je te dénoncerai pas. Excusez-moi, hein, je fais comme chez moi. Au fait, où est-ce qu'il était pendant tout ce temps, le nouveau président? Pas à Midgar, en tout cas. Il visitait d'autres endroits, il paraît. Autrement dit, il sait comment ça se passe sur le terrain. Peut-être, mais en revanche, il ne doit pas bien connaître les unités de Midgar. On est en train de répéter. Venez pas nous déranger. C'est vous, capitaine. Je vous prie de m'excuser. Fini l'entraînement. C'est l'heure d'y aller. Je ne peux pas le savoir. Ouais, c'est suivez-moi. Ça. Oui, oui, chef. Bah, certaines fioles, non. J'ai déjà l'inventaire qui est plein, mais... Bon, bah, c'est bon. J'en ai réuni 5. Est-ce que je peux continuer à en trouver, à en prendre d'autres? 5 sur 10, après tout, s'il le marque, c'est qu'on doit pouvoir en prendre plus. Oh! L'uniforme vous va bien? Ça alors? Tu nous as reconnus? Grâce à votre odeur. Non mais... T'as une sacrée truffe. Depuis qu'on a quitté Midgar, je retrouve progressivement mon flair d'origine. Et à ce propos, j'ai hâte de m'éloigner d'ici. Salutations! On est à vos ordres! On est à vos ordres! Voilà, je préfère ça. Bah du coup, je vais peut-être passer de l'autre côté, moi. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des soldats qui traînent par là? J'ai vraiment hâte de vous voir à la parade. Genre, vous, là, qu'est-ce que vous foutez? Vous regardez la vue? Canon à Marco de Junon. Qu'est-ce qu'il y a? On est occupé là. Ah, ouais, j'avoue, le canon, il en jette, hein. C'est notre capitaine. Hein? Ah, excusez-moi, capitaine. La parade est sur le point de commencer. Suivez-moi, et personne à la traîne. Oui, chef! Les bâtiments ont tous 3 ou 4 étages, ok. J'avoue qu'il en jette, hein, le canon, la vache. Donc, il t'aime matériel. Ah, vous là! Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est vous, capitaine! Pour l'ensemble, mettez-vous en rang. Garde à vous.
parade est sur le point de commencer. Suivez-moi, et personne à la traîne. Oui, chef! Ok, alors encore deux. Ah! On dirait les fanboys de. De. Comment ça s'appelle? De. Oblivion. J'allais dire Skyrim. Non, de Oblivion. Oui, c'est moi, oui. Aha! Et cette broche, tu crois que ça lui plairait? Ah, capitaine, vous venez au bon moment. J'essaie de trouver un cadeau pour ma copine. Entre la broche avec les mitrailleuses et celle avec des baïonnettes, laquelle est la mieux à votre avis? Et arrête de dire n'importe quoi. Désolé, capitaine, faites pas attention à lui. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui, oui chef! Ça doit pas être pratique de se déplacer comme ça avec les bras aussi raides quand même. Pour célébrer la prise de fonction du personnellement, je... Ah, capitaine! Capitaine, puis-je vous poser une question? Quelle formation avez-vous choisi pour la parade d'aujourd'hui? J'aviserai en fonction de notre forme et de la situation. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous aurez à faire, c'est suivre mes ordres. C'est compris? Allez, sortez d'ici. Oui! Oui avance, notre chef! Bon, alors il m'en manque plus qu'un. Il m'en manque plus qu'un. Déjà, on va prendre le coffre. Ah, bien. Ça compensera les gifs que j'ai dépensés. Non, non, mais arrêtez de poser avec Rufus. Si vous voulez le voir, gagnez la. On va gagner la parade. Non, mais. Merci infiniment. La photo est parfaite. Je n'aurais pas fait mieux. Je l'encadrerai et je l'accrocherai à la caserne. La plaque inaugurale de Rufus. La parade va bientôt commencer. Suivez-moi. Oui, chef. Tu peux acheter une copie de Loveless. Eh, hey, si on pouvait, je l'aurais déjà fait. Voilà, grand rassembleur de la 7ème. On va sauvegarder. Je vous rappelle que le prochain stream n'aura pas lieu vendredi, mais jeudi soir, hein, exceptionnellement. Hein. Pas de stream vendredi, on fera jeudi soir et samedi. Allez, on y va. Allez, allez, la 7ème compagnie d'infanterie. Ah, elle arrive. Ils sont là-bas. Attendez-les. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait, c'est stylé.